Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et mes chers amis, membres ou extérieurs à ce diocèse, aux armées françaises, qui vit un des grands événements de sa vie de diocèse avec les ordinations presbytérales et diaconales, et en particulier parmi vous les familles. On disait jadis qu'ils donnaient leurs enfants à Dieu, en réalité c'est déjà vrai le jour du baptême, hein. Mais combien plus après des années d'un labeur, d'un travail théologique, spirituel et autres, des années. Alors je vous partage le sentiment dominant en moi aujourd'hui, c'est la joie. Je ne vous cacherai pas qu'il y en a d'autres aussi. Un peu de fierté, encore que je n'y sois pour rien dans la vocation, mais enfin. Un peu d'inquiétude, car la vie sacerdotale, la vie diaconale, c'est un véritable engagement de l'évêque et du diocèse aussi et de mes successeurs. Mais c'est la joie quand même qui domine, et je le dis pour un certain nombre au féminin d'entre vous, n'est-ce pas ? N'hésitez pas, au milieu des larmes qui ont bu votre regard à la manifester aujourd'hui. Quel don de l'esprit, mes amis ! 6 ans, 8 ans, 10 ans de labeur, ça ne fait pas un prêtre. C'est le don de l'esprit par les mains de l'évêque. Alors cette tombée de l'esprit, nous l'accueillons tous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Prions le Seigneur. Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs. Répands dans ton Église l'esprit de courage et de piété, qu'il donne à tes serviteurs la grâce d'être les ministres dont le monde a besoin pour te servir à ton autel et annoncer l'Évangile avec force et douceur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Ils seront appelés térébintes de justice, plantation du Seigneur qui manifeste sa splendeur. Parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la deuxième épître aux Corinthiens. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Nous avons rejeté toute dissimulation honteuse, nous n'agissons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous manifestons la vérité et ainsi nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Et même si l'évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l'évangile, la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci. Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Parole du Seigneur. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même,
afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Pierre-Marie Crespin. Me voici. Damien Haas. Me voici. Monseigneur, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Pierre-Marie et Damien, et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises ? Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Alors, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Henri Hiverna. Me voici. La Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Henri et demande que vous l'ordonniez pour la charge du sacerdoce. Savez-vous s'il a les aptitudes requises ? Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Alors, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. Jubilé, criez de joie, acclamez-le Dieu trois fois saint, venez le Acclamez le Dieu trois fois.
Chers Henri, Pierre-Marie et Damien, nous entrons tout de suite dans le vif ou dans le dur du sujet. Et je le ferai à partir de notre histoire qui vous appartient, puisque vous êtes à partir d'aujourd'hui les uns et les autres du diocèse. Notre histoire, celle de la Grande Guerre, et je vais avec vous parcourir les témoignages d'aumôniers ou de prêtres soldats de la Grande Guerre. Les anciens me le pardonnent spontanément, les jeunes peut-être trouveront que l'évêque ne s'est pas tué au travail, à citer les autres. C'est partiellement faux. Je me permets de rajouter à cette petite homélie 30 secondes, c'est une petite histoire d'un homme ingénieur très calé qui a pris sa retraite. Il n'a pas pris sa retraite depuis quelques semaines que l'énorme machine dont il s'occupait tombe en panne. Tout le monde bloqué, grand désarroi dans l'industrie, dans l'entreprise. Et finalement, on va chercher l'ingénieur retraité pour lui dire « Est-ce que tu pourrais nous dire où est la panne ?» Alors il observe, il regarde, il étudie. Et finalement, dans un coin de cette énorme machine qui fait plusieurs dizaines de mètres de long, il fait une petite croix à la craie. Et quelques jours plus tard, l'entreprise reçoit la facture, 100 000 euros. Alors, le patron qu'il connaît paye, mais tout le monde dit quand même, pour faire une petite croix de craie, 100 000 euros, c'est cher. Alors, ayant appris ce bruit-là, l'ingénieur en question renvoie le détail de sa facture. Il dit, pour avoir fait la petite croix de craie, 1 euro. Mais pour savoir où la mettre, 99 999 euros. Voilà, donc pour vous citer, ça ne coûte pas beaucoup de travail. Vous trouvez les textes, voilà. Ça en est un peu plus. Bon, vous retiendrez la petite histoire. Alors, d'abord, il y a un jeune prêtre, un homme merveilleux du diocèse de Viviers, que je connais bien. Il s'appelle l'abbé Gustave Lapierre. Il fait partie du 46e bataillon de chasseurs alpins, qualité d'infirmier, lui. L'aumônier, ni soldat infirmier. Il est mobilisé le 3 août 1914, il a 27 ans. Voilà ce qu'il écrit le 22 avril 1915, à son évêque. Si, au soir de mon ordination, le 29 juin 1914, je vous avais demandé, Monseigneur, quel poste me réservez-vous ? Et que vous m'eussiez répondu, une aumônerie militaire, j'aurais pris votre réponse pour une plaisanterie. Et pourtant, c'est la réalité. Ma paroisse comprend 250 âmes environ. Les plus jeunes de mes paroissiens ont 24 ans. Aucun n'a dépassé la quarantaine. Le 46e bataillon de chasseurs se recrute dans deux départements assez religieux. À l'époque, c'était l'Ardèche et le Gard. Aussi, chaque fois que nous sommes en repos, tous nos alpins assistent aux offices. Je les aime beaucoup, mes alpins. J'ai entendu dire que le premier poste était celui auquel on s'attachait le plus. « Je ne sais pas, poursuit-il, si c'est pour cette raison que je me suis attaché à eux. Peut-être encore est-ce pour cette raison. » J'ai surligné. « Jamais notre ministère ne s'exercera dans des circonstances plus favorables, vivant de la même vie, partageant les mêmes épreuves, supportant aussi les mêmes souffrances. On n'a pas de peine à agir sur ces âmes foncièrement bonnes. » Nous avons passé 80 jours consécutifs dans les tranchées de première ligne. Et c'était les jours les plus rigoureux de l'année, j'ai vu plusieurs hommes pleurer de froid. » Fin de citation. Son bataillon est déplacé quelques semaines plus tard à Verdun. Nous fêtons le centenaire de la bataille de Verdun. Il est déjà à ce moment-là décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire. Et voici qu'avec sa compagnie, il est envoyé dans une mission extrêmement difficile. C'est ce qu'il raconte à son évêque le 15 mars 1916. « Ma compagnie
avait une mission un peu différente, je vous l'ai dit. Elle devait aller fouiller les baraquements suspects situés en face de nous. Nous rampâmes en silence, par bonds successifs. Un clair de lune magnifique dirigeait notre marche, mais nous aurions préféré une lumière plus discrète. La prairie qui se trouve entre les deux lignes était toute trouée par les obus. Une odeur âcre s'élevait de ces lieux, chose bizarre. La mort planait au-dessus de nous, et cependant, nous n'éprouvions pas trop de graves émotions. Pourtant, les oraisons jaculatoires jaillissaient tout naturellement. J'avais l'impression que nous ne risquerions rien. Et voilà comment nous nous sommes encore tirés d'affaire. Dieu y a été pour beaucoup. Un loustique disait à son retour : on dit qu'il n'y a pas de bon Dieu. Oh, si, il y en a un. J'avais dit le matin ma messe pour mes camarades et aujourd'hui j'ai célébré une messe d'action de grâce. Fin de citation. Il survivra à la guerre. Il y en a 25 000 qui y succombèrent. Il survivra à la guerre, ses citations de guerre louent, un dévouement inlassable, une bravoure au-dessus de tout éloge qui lui valent, nous est-il dit dans les citations de guerre, l'admiration de tout le bataillon. Je remarque, une fois pour toutes, le monde, n'admire pas notre piété ou le nombre de nos dévotions, fort utile par ailleurs. Mais le monde sait reconnaître la vraie valeur humaine et par-dessus tout le courage. Tenez, un autre témoignage d'un jeune catholique ardéchois, pardonnez-le-moi, qui nous rapporte la scène suivante. Nous sommes le 1er août 1916. Il y a quelques jours, nous étions en réserve, près de la route par laquelle les ambulances sont obligées de passer pour évacuer nos blessés. Soudain, un obus de gros calibre éclate près de l'une d'elles, tue le conducteur et endommage gravement les roues avant. La plupart des blessés sautent tant bien que mal et vont se réfugier dans le fossé. Mais il restait encore trois zouaves couchés et qui ne pouvaient se dégager. Les obus tombaient toujours. Nous étions à nous demander comment nous pourrions porter secours à ces malheureux quand nous vîmes apparaître un prêtre au milieu de la route. C'était l'aumônier divisionnaire qui avançait, impassible sous la mitraille qui faisait rage. Personne ne le quittait des yeux, croyant à chaque instant qu'il allait être broyé. Tandis qu'il se hâtait vers l'auto, une grosse marmite, un gros obus, tombe sur celle-ci et tue les trois survivants. L'aumônier a voulu faire le tour des décombres et ne revenir qu'après s'être assuré qu'il n'y avait malheureusement plus personne à sauver. « Je vous assure, dit ce jeune, que les assistants ont été impressionnés de ce magnifique et simple courage. Lorsqu'en revenant des tranchées, nous l'avons revu au repos, tout le monde l'admirait sur son passage. » Fin de citation. Bien entendu, nous ne sommes pas là pour rapporter à nous-mêmes cette admiration, mais pour prendre conscience que le courage qui la suscite ouvre la porte des cœurs pour y semer l'amour de Jésus. Le père Léon Cabaret, prêtre du diocèse du Mans, dont vous pourrez bénéficier de ses carnets d'ici quelques semaines grâce à notre vicaire général. Le père Léon Cabaret note dans ses carnets, le 31 janvier 1915, on lui annonce que l'une de ses lettres envoyées à son évêque a été publiée dans la revue diocésaine. Voilà ce qu'il dit. Cela me laisse froid. Je me contente de constater qu'autour de moi, on ne se défie point. La confiance, née d'elle-même, soldats et officiers, ne me marque que de la sympathie ce soir encore. Je suis demandé au château pour chanter devant le colonel une marche composée en l'honneur du 44e. En somme, je me félicite de mon initiative qui m'a conduit au titre d'aumônier volontaire. Je ne connais rien, parce qu'au départ, il était en retrait, il a demandé à venir dans la tranchée. Je ne connais rien de plus noble que le métier de prêtre-soldat. Vous me pardonnez, messieurs les séminaristes du diocèse de Paris, et d'ailleurs de prêcher pour ma paroisse, mon diocèse. Bien. Voilà. Je ne connais rien de plus noble que le métier de prêtre-soldat. Je vous rappelle qu'il était simplement curé de paroisse, et il est revenu curé de paroisse après la guerre dans le diocèse du Mans. L'idée de religion est celle de notre patrie, son sœur.
magnifique formule qu'on pourrait faire inscrire là, à l'entrée de cette cathédrale. Elles supposent le sacrifice, le dévouement à la cause du bien et du bon. Elles sont la négation de l'égoïsme, synthétiseur de la fraternité réelle et non de la fraternité théorique. Ouais, très belle formule. Fraternité réelle, pas la théorie du vivre ensemble. Hein. Il me semble que de cette guerre terrible, nous sortirons tous meilleurs. À vivre ainsi, confondus de tout rang, de toute situation sociale, on apprend à se mieux connaître et à s'estimer autrement que par des conventions établies. En particulier, le prêtre y gagnera beaucoup parce qu'il aura l'occasion de gagner à la cause religieuse bien des braves gens qui se sont sentis réconfortés à certaines heures critiques par le secours matériel et moral que le prêtre peut apporter. Oh, extraordinaire formulation de l'équilibre qui est l'essence même de notre sacerdoce, de notre ministère de prêtre-soldat. Puis quelques jours plus tard, nous sommes maintenant en février 1915, il approfondit la forme et l'importance de sa mission. Écoutez, en quelques lignes, il nous fournit le vademécum de l'aumônier militaire. Je cite. Nous rentrons un peu avant la nuit. Renouvelés d'élan, d'entrain, de gaieté. En surnaturalisant tout cela, quels bons soldats l'ont fait. D'abord à la caserne et a fortiori en campagne. J'ai toujours considéré la gaieté comme un devoir. Souvent, j'ai remarqué que la tristesse déprime. Cela prépare le découragement, les fatigues et jusqu'aux maladies, la tristesse déprime. Cela prépare, voulons-nous être forts ? Soyons enthousiastes. J'ai lu quelque part, hilarem datorem diligit Deus. À l'époque, ils ne traduisaient pas, mais je vais être bon avec vous. Hein. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Merci. Et un saint triste est un triste saint. Le soldat morose est un mauvais troupier. Et c'est pourquoi je crois que la lutte actuelle aura fait du bien aux prêtres. Elle en aura tué quand même plusieurs dizaines de milliers, mais quand même. Le monde qui veut nous juger à sa mesure doit aussi modifier son jugement. S'il voit dans l'aumônier volontaire ou dans le séminariste aux tranchées un homme de devoir, de discipline, de sacrifice. Vis-à-vis de ses camarades, il suffit d'être serviable, franc et dévoué. Vis-à-vis de ses chefs, respectueux, ouvert et obéissant. Avec ça, on devient l'ami de beaucoup, à l'occasion confident, conseiller de la plupart. Et on devient aussi, c'est moi qui rajoute, avec un prêtre vicaire encore du diocèse de Viviers, on devient aussi une offrande au Père, un sacrifice librement consenti de sa vie. C'est là-dessus que j'aimerais conclure. Ce prêtre combat à Verdun depuis 2 mois. Il écrit le 9 avril 1916, il aura fait pratiquement toute la bataille de Verdun. Vous savez combien rude a été la bataille de Verdun sur les deux rives de la Meuse. Jamais les Boches n'avaient accumulé sur un coin de front matériel aussi formidable. C'est sous un déluge de fer et de feu que nous devions aller chercher les blessés. J'avais ordre d'aller prendre avec 4 hommes un artilleur blessé et de le ramener. Un guide nous accompagnait. Nous marchions gardant un silence presque religieux. Arrivé sur une crête, je me tourne vers le guide et lui pose la question « Où se trouve la batterie que nous devons atteindre ?»« Voyez, me dit-il, sur le sommet d'en face, cet endroit où les obus éclatent sans interruption. C'est là. » Malgré le danger, je n'eus point peur, je crois, mais j'avoue que je sentis un léger frisson me courir sur la peau. Visiblement, nous allions à la mort. Je fis à Dieu le sacrifice de ma vie. Mes hommes en firent autant, et nous nous acheminâmes vers la fournaise. Combien nous fûmes protégés, je n'en sais rien. Toujours est-il que nous revînmes tous indemnes, avec en plus notre blessé, jugé de ma joie. Quand j'ai ramené mon équipe, jusqu'à présent, le bon Dieu n'a pas voulu de moi. S'il lui plaît de me choisir comme victime dans les combats futurs, que sa sainte volonté s'accomplisse, et il conclut, on n'est jamais plus prêtre que quand on s'immole soi-même. On n'est jamais plus prêtre que quand on s'immole soi-même. Voilà.
il ne me semble pas qu'on puisse rétrécir d'un mot ces témoignages, réduire d'un centimètre la pastorale qu'ils suggèrent. Dans les tranchées de Verdun, les plaines de Champagne, le prêtre militaire aumônier aux soldats a gagné les cœurs avant d'annoncer la parole. Il a ouvert les portes à l'Évangile par sa proximité, si je recueille un peu tout ce que nous avons entendu, par sa proximité, sa disponibilité, son courage. Saint Paul en parlait tout à l'heure, l'oraison aussi. Sa gaieté, sa liberté et l'offrande de sa vie. Il serait étrange qu'il en soit autrement aujourd'hui. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impunes operna gratia, quae tu creasti pectora. Thank you.
fils bien-aimé, Damien Pierre-Marie, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit ? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien ? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèle à l'Évangile et à la tradition de l'Église. Oui, je le veux. Pierre-Marie et Damien, vous êtes prêts à vous engager au célibat, voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain. Voulez-vous garder et développer cet esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ? Je le veux avec la grâce de Dieu. Pierre-Marie, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et dans l'obéissance. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Damien, promettez-vous de vivre en communion avec moi et avec mes successeurs dans le respect et dans l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Henri, fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit-Saint ? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique ? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien ? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière ? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et avec mes successeurs dans le respect et dans l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres et prêtres, demandons-lui de répandre sur eux la grâce de sa bénédiction. Priez pour nous, Saint François de Sales, priez pour nous.
Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du presbytérat et du diaconat par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le moment est venu de l'ordination des diacres. Répétant un geste adopté dans toutes les premières communautés chrétiennes, l'évêque va imposer les mains sur les futurs diacres pour appeler et manifester sur eux la puissance de l'Esprit-Saint. Par cette imposition et la prière consécratoire, ils recevront le premier degré du sacrement de l'ordre pour devenir les serviteurs de la parole, témoins de la charité du Christ. Thank you.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous, toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres, toi, le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit Saint, sept hommes estimés de tous, qui les aideraient dans le service quotidien, en leur imposant les mains et en priant sur eux. Ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint par lui, qu'ils soient fortifiés des sept dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'Esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prêtres qui assistent à la vêture peuvent s'approcher.
Sois attentif à croire la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru et à vivre ce que tu auras enseigné. Damien, reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire la parole que tu liras, à enseigner ce que tu auras cru et à vivre ce que tu auras enseigné. L'ordination est conférée au nouveau prêtre de la même façon que l'imposition des mains de l'évêque et la prière consécratoire. En signe de participation au ministère de l'évêque, les prêtres, eux aussi, sont appelés à imposer les mains à leur tour.
sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous. Dieu éternel et tout puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi, la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes, pleins de sagesse, qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse saint. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même l'esprit de sainteté. Qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'il incite à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite, qu'il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit-Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il soit avec nous un fidèle intendant de tes mystères pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'il implore ta miséricorde pour le peuple qui lui est confié et pour l'humanité tout entière. Alors, toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme tout le monde ne voit pas bien, je vais faire une onction avec le Saint-Crème à l'intérieur des mains, sur les paumes, ces mains qui désormais vont pouvoir consacrer le corps et le sang du Christ.
Bien entendu, vous avez compris qu'il était déjà prêtre. Hein. Ce sont appelés des rites secondaires, bien entendu, pour manifester le don. Pas incroyable, puisque nous y croyons, mais extraordinaire qu'il vient de recevoir par l'imposition des mains et la prière consécratoire. Ce n'est pas la chasuble qui le fait prêtre, vous l'avez compris. Hein. La chasuble qui le montre, et l'onction à l'intérieur des mains, comme je l'ai expliqué, et puis ensuite la remise du calice et de la patène déjà préparée par le diacre. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, te fortifie, Henri, pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Il y aura la remise, donc maintenant, comme je le disais, de la patène avec le pain et le calice avec le vin. Et puis ensuite, il y aura le baiser de paix, chacun dans son ordre. Voilà, moi, l'évêque, je peux donner le baiser de paix à tout le monde. Mais ensuite, les diacres, nouveaux diacres, iront donner le baiser de paix aux diacres, dans l'ordre des diacres. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.
Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes. Dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheter la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna. Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu,
Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Paume et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. En particulier pour ceux que tu as appelés à l'ordre du diaconat et l'ordre du presbytérat, nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Protège en eux tes propres dons, pour qu'ils fassent fructifier par ta puissance ce qu'ils ont reçu de ta grâce. Assure-toi même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et, te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, en particulier des défunts, des familles, de Pierre-Marie, de Damien et d'Henri, ainsi que de tous
nos frères militaires, défunts. Eux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie et les sanctifies, et nous en fait le don. Par lui, avec lui et en lui. Thank you.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ton parole et je serai guéri.
Prions, Seigneur. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ces nouveaux ordonnés toujours fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité pour ta gloire et le salut des croyants par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir pour quelques annonces. Je suis chargé d'annoncer les affectations de ces trois nouveaux clercs. Donc l'abbé Henri Hiverna est nommé aumônier de la base de défense de Nancy, Toul et Lunéville. L'abbé Pierre-Marie Crespin est nommé aumônier de la marine à Paris et en Île-de-France. Et l'abbé Damien Haas est nommé aumônier de la force Sentinelle, succédant donc à son ami Henri Hiverna. Et ces trois affectations prennent effet le 1er septembre prochain. Je laisse la place au père Fresson. Les nouveaux ordonnés m'ont demandé, et au nom aussi du séminaire, de vous remercier tous, d'abord pour votre présence, malgré les difficultés de transport que beaucoup ont rencontrées, et de vous remercier aussi pour votre prière, puisque nous savons que s'ils sont là aujourd'hui, c'est grâce à notre prière, à la prière de tous, à la prière de ceux qui sont ici, à la prière de ceux qui n'ont pas pu venir, et même bien plus largement dans la communion des saints, à la prière de tous ceux et toutes celles qui un jour ont prié pour les vocations. Donc je nous invite tous à prier pour les vocations que le Seigneur donne à son Église, beaucoup de prêtres, beaucoup de saints prêtres. Et comment ne pas penser aujourd'hui tout particulièrement à ton oncle Henri, ton oncle Jean-Paul, qui est mort jeune prêtre en 1991 pendant un camp de montagne avec des jeunes, et dont on a retrouvé après le testament disant « Si je viens à disparaître, qu'un autre monte à l'autel, prenne ma place et soit saint ». Voilà une grande mission, Henri. Tu as reçu tout à l'heure son calice, fais-en bon usage. Et puis, remercier aussi tous ceux qui ont aidé, non seulement par la prière, mais aussi matériellement, notre diocèse, et tout particulièrement le séminaire. Alors, vous savez que s'ils sont là, c'est aussi parce que certains ont donné matériellement un séminaire. Certainement, beaucoup d'entre vous ont été pris pendant cette célébration d'un fort désir, d'un puissant désir de donner au séminaire du diocèse aux armées. Soyez soulagés, il y a un bon de donation dans vos livrets. Et puis, je nous invite tous, après cette célébration, à nous rendre pour un cocktail dans les salons du gouverneur. Donc, il suffira à la sortie de traverser la cour pavée, de passer sous le porche et de tourner à droite vers les... Merci beaucoup à tous. Oui, je vais rajouter quelques remerciements. Avant la chorale, que je n'oublie pas, d'abord remercier celui qui vient de prendre la parole, le père Pierre Fresson, qui quitte sa mission de directeur du séminaire du diocèse aux armées. Voilà. Il nous a profondément aidé à mettre en marche, à fonder ce séminaire, qu'il soit remercié. Et je crois que tous les séminaristes peuvent commencer par applaudir. Merci. Bon, je vous rassure, il ne va pas très loin. Voilà, il deviendra vicaire général de notre diocèse à partir du 1er juillet. Il sera remplacé, bien sûr, pour notre maison. Oui, merci à la chorale que j'ai entendu travailler, répéter. Votre jeunesse nous entraîne, votre chant nous porte. Espérons que vos engagements portent l'Église demain. Et puis alors, je voulais remercier les familles. En fait, tous. Que vous soyez partant ou pas, pour le choix qu'a fait votre fils, de toute façon, je ne serai pas là. Aucun des prêtres ici présents ne serait là sans vous. Vous nous avez donné au moins l'existence, l'éducation, tellement de choses. Alors continuez, je vous en prie, à nous porter. Les pitchounes, au premier rang ou derrière, vous leur rendrez la gaieté à nos curés quand ils la perdront. Et puis les vieux, c'est plus rien à faire, prier. Voilà. Merci aussi au séminaire de Paris,
Il y a toujours le sentiment un tout petit peu d'être une sangsue. Voilà. Mais écoutez, je me console en me disant que la générosité, mes chers amis, est toujours récompensée, au moins par Dieu. Voilà. Donc merci vraiment à l'archidiocèse de Paris et au séminaire de Paris qui nous porte et qui va encore nous aider ces prochaines années. Voilà, je voulais donner tous ces remerciements. Vous me pardonnez un petit peu la longueur. Merci à tous nos frères prêtres qui croient au sacerdoce. Merci à tous nos laïcs qui sont atteints par tout ce qui se passe aujourd'hui et qui est répercuté par les médias encore aujourd'hui. Merci au pape François de nous aider à être vigilants. Merci à vous tous de nous aider à être confiants dans nos prêtres. Alors, s'il vous plaît, applaudissez vos prêtres, y compris le plus jeune. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu est le Père et le Pasteur de son Église, qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre et de diacre. Amen. Dieu a confié aux diacres la charge d'annoncer l'Évangile et de servir son peuple dans la liturgie et la charité, qu'il fasse de vous, au milieu du monde, des témoins et des ministres de son amour. Amen. Et vous, ses prêtres, qu'il fasse de vous de vrais pasteurs chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez.